Nous allons voir comment harmoniser les ondes cérébrales et les stimuler chez les personnes qui en ont besoin. Voyons tout d'abord quelques explications pour nous situer dans ce vaste sujet et en saisir l'intérêt majeur. Les ondes cérébrales ont été identifiées depuis plus d'un siècle à partir de leur signature ondulatoire. Elles sont caractérisées par un rythme cérébral spécifique ayant une oscillation électromagnétique dans une bande de fréquences donnée. Elle résulte de l'activité électrique cohérente d'un grand nombre de neurones du cerveau, tel qu'on peut l'observer par l'électroencéphalographie que l'on appelle en abrégé EEG. Ces ondes sont de très faible amplitude elles sont de l'ordre du microvolt chez l'être humain et ne suivent pas toujours une sinusoïde régulière les caractéristiques des rythmes cérébraux induits donc par ces ondes particulières dépendent de l'état psychologique que l'on vit des activités que l'on a et par exemple, si l'on dort, plusieurs types d'ondes caractérisent les différentes phases du sommeil. Endormissement, sommeil léger, sommeil paradoxal, rêve, réveil. Si l'on médite, si l'on prend un bain, une douche, ou si l'on donne par exemple un soin, si l'on fait du sport, si l'on est stressé, énervé ou encore dans un état de créativité. L'enregistrement et la lecture des, de ces différents rythmes peuvent être aussi utiles sur le plan médical et peuvent permettre, le cas échéant, de pouvoir détecter une pathologie chez une personne chez qui on enregistre ces ondes. Ainsi, l'enregistrement de l'activité rythmique cérébrale traduite par ces ondes permet d'étudier les phases du sommeil ou de caractériser des maladies neurologiques telles que l'épilepsie, par exemple. Et ce que l'on nomme ondes cérébrales ce sont donc des impulsions électriques qui ont été détectées dans différentes zones du cerveau elles sont générées par de l'influx nerveux et fonctionnent en relative cohérence comme une impulsion électrique et ces ondes sont donc caractérisées par des rythmes et en diverses circonstances, les neurones s'activent. Ils sont animés de pulsations un petit peu comme des vagues. Ils s'activent, se calment, s'activent de nouveau. Et tout cela trahit notre activité, ou notre absence d'activité, par une signature particulière. Et grâce à des petites électrodes placées sur le cuir chevelu et reliées à un appareil appelé électroencéphalographe EEG qui était inventé en 1929 le rythme de ces pulsations peut se traduire en forme d'onde et l'intensité de l'activité cérébrale se manifeste par la fréquence de ces ondes, que l'on calcule en Hertz. Et les, et les ondes, donc générées par un cerveau actif, sont réparties par plages de fréquence, nommées par les lettres grecques alpha comme la lettre A, bêta comme la lettre B, gamma comme la lettre G, delta comme le D, et θ euh, comme une sorte de t, si vous voulez. Aujourd'hui, on connaît donc cinq types d'ondes cérébrales, je viens de les énumérer: delta, θ, alpha, bêta et gamma. Et on évoque aussi un nouveau type d'ondes que l'on appelle les ondes infrabasses, qui ont été découvertes en neurosciences et que nous appelons potentiels cortico-lents. PCL. Donc ces ondes peuvent être générées par notre set brain tuner qui comporte à la base six diapasons le diapason des ondes gamma qui est ici que nous préconisons d'avoir en double c'est pour cela qu'on l'a ajouté ici mais qui ne fait pas partie du set original. Ensuite, il y a cinq diapasons qui, qui sont ici en avant, avec le diapason fondamental, qui est en fait un diapason 256 Hz, que l'on va utiliser avec le même principe que les diapasons C. Et G256 384 Hz. Et donc, les diapasons vont être utilisés deux par deux. Alors, nous préconisons donc un deuxième diapason gamma, qui est ici, avec à la base le diapason FUNT, le diapason 256 que l'on va combiner pour obtenir des ondes alpha. Donc on combine le diapason funt avec le diapason alpha pour obtenir une onde à 10 Hz. J'expliquerai comment par après. Puis toujours le Funt avec le diapason θ. Puis le diapason Delta, et dans un protocole résumé, on revient ensuite aux ondes cérébrales normales en facilitant le réveil avec les ondes bêta, toujours en combinaison avec le diapason FUN dont j'ai parlé. Les ondes gamma, quant à elles, peuvent être introduites en fin de protocole juste avant la phase de réveil avec les ondes bêta. Nous avons amélioré le système. Déjà en ajoutant un deuxième diapason gamma. Nous avons conçu également des diapasons spécifiques avec le diapason onde de Schumann, combiné avec le diapason 128 Hz. Il peut donc donner les vraies ondes de Schumann j'expliquerai comment. Et lorsque l'on combine le diapason de Schumann avec le diapason Ohm 136,10 Hz, on obtient la fréquence de 0,27 Hz qui fait partie de ces nouvelles ondes que l'on appelle potentiel cortical lent, PCL, potentiel Cortical lent. Et ces ondes PCL sont développées également avec un tout nouveau set que l'on appelle le set PCL, potentiel cortical lent, qui sont une variation des euh, diapasons Angel Tuner avec à la base le diapason 4096, donc le diapason en cristal tuner, qui fait partie du set Angel avec un diapason permettant de créer une onde à 0,5 Hz, à 0,4 Hz, à 0,3 Hz, puis par diverses combinaisons, 0,2 Hz et 0,1 Hz. Nous avons amélioré le protocole avec les diapasons du set brain tuner, avec des diapasons spécifiques qu'on appelle delta 1 et delta 2, qui se combinent toujours avec le diapason fund, donc à 256 hertz. donc, ces, ces diapasons permettent d'améliorer le potentiel du set brain tuner dont le diapason delta permet de fabriquer une onde à 3 Hz. Nous avons fait le delta 2 pour 2 Hz et le delta 1 pour 1 Hz. A la suite de quoi, donc, maintenant, il existe ce nouveau set pour les ondes de potentiel cortical l'onde dont j'ai parlé, qui sont des ondes, des ondes de très basse fréquence et de très grande longueur d'onde. Enfin, il existe aussi une possibilité pour créer des ondes cérébrales grâce à la combinaison de divers diapasons qui font partie en particulier euh, du 7 des 6 planètes et du 7 des chakras, et en combinant le diapason Om avec le diapason 128 cette fois. Mais on a ici donc l'ensemble des différents diapasons que vous pouvez d'ores déjà avoir si vous avez... Euh, bah, le 32 Hz, la plupart d'entre vous ont déjà ce diapason. Le 128 aussi, le Ohm éventuellement. Et puis vous avez ici les diapasons Chakra et ici les diapasons du 7 6 planètes. Donc euh, notre set est composé de 6 diapasons, j'en ai parlé. Il y a donc le diapason 40 Hz qui est le diapason euh, pour les ondes gamma qui ressemble au 32 Hz qui est un diapason lesté. Et les cinq autres dia diapasons sont des diapasons qu'on va utiliser combinés deux par deux et qui vont créer des ondes infrasoniques recherchées pour les ondes cérébrales en créant de manière hétérodine ou binaurale donc les ondes recherchées. Alors, quel est le principe d'action Donc le diapason 40 Hz Reproduit les ondes gamma 40 Hz, qui est la moyenne entre les ondes gamma entre 38 et 42 Hz. Le diapason 40 Hz est à la moyenne et reproduit ces ondes-là, en vrai. Pour ce qui est des autres, ce sont des, des, des ondes qu'on ne peut pas entendre. Donc on va les reproduire par un phénomène de battement hétérodyne ou d'interférence, tel que je l'explique dans le son des vibrations au chapitre 6. Au XVIIIe siècle, le compositeur italien Giuseppe Tartini a décrit l'interférence entre deux sons proches qu'il a, qu a nommés terzo suono, le troisième son, que l'on appelle aujourd'hui le phénomène de battement ou de battement hétérodyne. Ce battement est en quelque sorte une troisième vibration dont la fréquence est la différence entre les deux sons en question. Et cette vibration est appelée parfois sous-harmonique. Et Giuseppe Tartini dit En 1714, âgé de 22 ans seulement, j'étais à Ancône lorsque je découvris ce phénomène du troisième son. De manière fortuite sur mon violon. J'en fis alors part sans réserve ni mystère au professeur de violon. Donc, ça, c'est son témoignage. C'est lui qui a découvert cette capacité que lorsque deux ondes sont proches, elles fabriquent un troisième son par interférence. When two frequencies are very close together, they add rhythmically, both constructively and destructively. The result is called beats. Beats, a rhythmic interference of close frequencies. Quiet, loud, quiet, loud. Je vais maintenant vous parler du phénomène de battement, qui est à la base du principe de fonctionnement. des diapasons que nous employons dans ce protocole consacré aux ondes cérébrales. Lorsque vous frappez un diapason, ce dernier émet une fréquence que l'on mesure en Hertz. Maintenant, si l'on émet un deuxième son identique au premier et que par un procédé électronique, on le décale, de manière à obtenir un effet miroir, la fréquence s'annule par un procédé d'inversion de phase. Prenons à présent deux fréquences proches, par exemple, dont la différence serait de quelques hertz ou de quelques dixièmes de hertz. Lorsque l'on va combiner ces deux fréquences, alors il va apparaître un phénomène d'entrelacement des ondes, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, les deux ondes vont arriver progressivement à un effet miroir, un minimum, avec inversion de phase, et donc la perception du son va disparaître, puis va redevenir audible va disparaître à nouveau et ainsi de suite et tout cela à une certaine fréquence à un certain rythme qui va dépendre de la différence des deux ondes qui nous occupent c'est ce rythme que l'on appelle le phénomène de battement plus les ondes seront proches plus le rythme de battement sera lent, comme par exemple dans le cas des ondes θ ou delta, et plus les deux ondes que l'on combine seront éloignées en fréquence, plus le rythme perçu sera rapide, comme par exemple avec les ondes Bêta. Et donc, sur le plan pratique, on va utiliser ce diapason-là, qu que j'ai appelé Fund ou Fondamental, qui est un diapason 256 Hz, et qui par combinaison avec les différents autres euh, diapasons euh, du set euh, Brent Tuner, vont fabriquer, générer ce fameux troisième son euh, donc identifié par Tartini et donc dans l'exemple qui nous occupe pour les ondes cérébrales il est alors possible de reproduire par combinaison de deux diapasons des ondes donc infrasoniques par battement selon le principe du CEG et donc ces diapasons non lestés du set Brain Tuner vont s'utiliser au niveau des oreilles comme les diapasons 256, 384 vous rappelez le C et G, do et sol. Et donc pour s'en servir, on va utiliser dans une main le diapason Fount qui est un do à 256 Hz c'est marqué Fount dessus, c'est facile de l'identifier. Et on va commencer le protocole en utilisant le diapason alpha. C'est marqué alpha à la base du diapason, qui a une fréquence de 266 Hz. Et donc il va être activé en même temps que le fount à 256 Hz et va être approché simultanément des des oreilles et cela va créer une sorte de bourdonnement ayant une fréquence de 10 Hz par combinaison de 256 avec 266. Si vous retranchez ces deux fréquences, on obtient 10 Hz. Et donc, cette fréquence de 10 Hz est la moyenne des ondes alpha qui sont situées entre 8 et 12 Hz. Et donc à chaque fois, on va utiliser le diapason Found en combinaison avec un des diapasons de notre set pour, en premier lieu, recréer une fréquence alpha. Ensuite, on va faire la même chose avec les ondes theta avec ce diapason qui est à 262 Hz et qui va créer une onde de 6 Hz moyenne des ondes theta idem avec les ondes delta à 259 Hz qui va créer donc une onde moyenne delta à 3 Hz et c'est le même principe pour les ondes beta à 200 71 Hz, combiné avec le 256, ça va nous donner une onde à 15 Hz, qui est la moyenne des ondes bêta. Puis, donc, on va avoir les deux ondes gamma, avec un ou deux diapasons à 40 Hz. Nous préconisons d'additionner un deuxième diapason 40 Hz pour avoir toujours le même principe d'un diapason à chaque oreille. Donc à ce moment-là, ces deux fréquences sont identiques. On a 2 fois 40 Hz, la même manière qu'on avait utilisé 2 fois 128, 2 fois 64 ou 2 fois 32 avec le protocole oreille détente. Et donc il existe aussi d'autres séries de diapasons médecins dont j'ai parlé, delta 1, delta 2 qui sont ici, avec le delta 1 257 Hz et delta 2 258 Hz. Donc par combinaison, on va obtenir 1 Hz et 2 Hz. Et puis les ondes potentielles cortico-lents dont j'ai parlé, PCL, avec les nouveaux diapasons, combinés avec le, le cristal tuner. Potentiel cortico-lent 0,5 0,4 0,3, 0,2, 0,1. Et le diapason onde de Schumann combiné avec le diapason ohm qui va donner toujours une onde potentielle cortico-lente à 0,27 Hz. Alors, au niveau des diapasons, on a dans le set BrainTuner un diapason 40 Hz. Donc, comme je le disais, je préconise un deuxième qu'on peut donc euh, obtenir à part. Et vous avez le diapason, donc le diapason 40 Hz qui est un diapason lesté qui ressemble au 32 Hz. Vous avez Ensuite, cinq diapasons non lestés, le fond, le fondamental qui est un 256 256 Hz, alpha, Theta, delta et bêta. Donc ils nous permettent d'obtenir des fréquences en plus du 40 Hz, 10 Hz, 6 Hz, 3 Hz et 15 Hz. Et Finalement, les ondes pour les potentiels corticaux lents, rappelez-vous, onde de Schumann plus Ohm à 0,27 Hz et toute la série dont on a parlé autour du 40-96 Hz.